Bonjour à tous, c'est Jacques Brel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Donut County. Il est sorti le 28 août 2018 à 11,99€ sur PC et à 12,99€ sur PS4. C'est un petit jeu dans lequel on va diriger un trou. Oui, un trou qui avale tout. Vous allez comprendre, il y a une petite histoire par derrière. Là je suis au début, j'ai juste pas cliqué, on va cliquer. Et ça y est, on débute le jeu. Vous avez vu le petit chat noir et blanc, il est trop beau. Et le petit chien là. Je vais faire les voix. Mira, quand est-ce que tu comptes venir travailler? Je m'ennuie. On va lui répondre. Chut, BK. C'est quoi BK? Burger King. Pour moi BK c'est Burger King. C'est pas grave, on continue. Je suis morte, terminé. Ok, voilà, le jeu est fini. Merci les mecs, elle est morte. Un peu de respect. Ah, comment t'es morte? Encore un coup du klaxon. La klax internationale. La klax dans ta tête, wesh. T'en fais pas. Je te vengerai. Fais attention à toi. C'est pas du klaxon d'amateur. C'est pas du klaxon d'inventeur. Ouais, tranquille. Viens au donut shop, wesh. Et arrête de filer ton pain à ton chien, wesh. Il lui en faut, c'est vital, Burger King. Il tartine sévère. T'as une tartine sévère, elle aussi. Elle tartine sévère. Bon, j'ai eu dans 5 minutes, salut. Ok, on ferme. Et là, on va prendre le donut. Et on va ouvrir la fenêtre. On va ouvrir le rideau. Et on a ouvert la fenêtre. Et ça y est, le jeu, on va dire, le jeu pour moi en parler, commence. Le gameplay commence. C'est-à-dire qu'en fait, là, je dirige le trou. Donc, je suis uniquement à la souris. Évidemment, sur console, ferait ça, je pense, avec le stick. Et le but, en fait, c'est d'aller... mettre dans le trou le mec qui nous casse les couilles avec son klaxon, là, vous voyez. D'ailleurs, lui aussi, il a des donuts, je comprends pas, alors, c'est pas... Hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est que plus vous avez avalé de trucs, plus votre trou, vous voyez, ça se voit, le trou grandit. Donc, on va aller avaler pas mal de trucs. On peut commencer à avaler les lettres, du nom du jeu, Donut County. Hop, on avale toutes les lettres. Et une fois qu'on a avalé toutes les lettres, on va pouvoir continuer. On va avaler ça. Hop. Vous voyez, c'est pas toujours évident. Bon, là, c'est vraiment le début du jeu, mais c'est un jeu qui est tout mignon, qui est tout sympathique. Et si ça vous plaît, on partira sur Let's Play, sinon je resterai sur une petite vidéo de découverte, évidemment. Hop là! Hop là, on a tout récupéré. Et on passe à la phase suivante. On est au Donut Shop. Avec le petit personnage, le petit Burger King, que je vais appeler, parce que BK... Pour moi, BK, c'est Burger King. Wow, le klaxon s'est tu. C'est toi qui as fait ça? Ouais, je t'inquiète, tranquille. Je lui ai filé un donut. Ouais, d'accord. Ça a dû le distraire. Ouais, c'est ça. Alors qu'il a mis tout le monde dans le trou, quoi. Tu sais quoi? Je suis niveau 9, maintenant. Wow. D'accord. T'as pas bien compris, Mira. Au niveau 10, j'aurai un quadcopter, wesh. Ouais, mortel, bravo. On va buzzer comme des rois. A plus, Burger King. Donc, vous voyez, c'est ce petit personnage qui est responsable des trous. Alors là, on se retrouve 6 semaines plus tard. Et regardez où on est. Donc, il a eu son quadcopter. Mira, pourquoi? Il a eu son quadcopter, mais il est cassé. Pourquoi t'as défoncé mon quadcopter? Lâche-nous un peu avec ton quadcopter. Oui, il y a une poule. Pourquoi t'as bousillé toute la ville? 999 pieds plus bas. Donc c'est ça, Donut County, c'est le sous-sol en gros. Donc en fait, notre petit personnage, lui, il a ramené tout le monde avec ses trous. Il a ramené toute la ville dans un trou. Qui se retrouve, comme ils ont dit, 90 millions de pieds sous la mer, là. J'ai rien bousillé du tout, wesh. Je suis quelqu'un de gentil. Hein, mais lol, quoi. J'adore mais lol, quoi. Tu t'es servi de ton appli pour ouvrir des trous dans toute la ville. Ouais, quoi. Apparemment, il sert de son téléphone, une appli qu'il a sur son téléphone pour ouvrir des trous. Alors, franchement, c'est assez énorme, moi, je la voudrais. Parce que j'aurais des trucs à faire passer dans les trous. Et maintenant, on va tous finir engloutis. Y a rien qui me choque, ici. Hormis mon quadcopter. C'est moi la victime ici. Y'a personne pour me soutenir. Y'a Coco qui parle.
Becca, c'est trop clair que c'est toi. Mais comment ils parlent les mecs? Ils parlent tous comme des racailles là ou quoi? Je suis tombé dans un trou juste après avoir commandé un donut chez toi. C'est quoi le rapport? Avec Mira qui défonce mon quadcopter. Potter, où est passé ton fils, Harry? Harry, tu es un sorcier. Sorcier, Harry. Oh, Pup, Pup. Ah, il s'appelle Pup. Mon gentil fiston, il doit être quelque part. Ah, vous voyez que là, en fait, on revient dans le passé. Vous voyez qu'ici, c'est assez bien fait parce qu'on a ici l'endroit où on est. La personne qu'on est censé faire tomber dans le trou. Enfin, tomber dans le trou. Oui, tomber. Vous allez voir, vous allez voir. Et on a l'heure et on a la batterie comme si on était encore sur l'appli, en fait. Comme si on était sur l'appli qu'on dirigeait le petit bonhomme. Donc là, encore une fois, je vais faire tomber tous les trucs dans le trou. Franchement, moi, ça me fait c'est con, hein. C'est vraiment très con comme gameplay. Mais c'est vraiment... Qu'est-ce que c'est con comme gameplay? Mais qu'est-ce que j'aime bien? Qu'est-ce que j'aime bien? C'est débile, mais j'adore. J'adore, quoi. J'adore Dior. J'adore Dior. Non, je préfère ce jeu-là que Dior. Alors, on va faire tomber ça. Hop là. Sinon, on n'arrive pas à tout prendre. Hop là. Et voilà. On a tout fait tomber ce qu'on avait sur l'écran. Et là, du coup, on a accès à plus grand. Hop là. Hop, hop. Regardez le mec, il doit paniquer, t'sais. Vous imaginez, vous voyez ça, un trou qui aspire tout chez vous. Même la gamelle du chien. Hop, on avance. Et on va encore tout faire tomber dans le trou. Voilà, parce que c'est apparemment le seul gameplay du jeu, mais j'aime bien. C'est con. C'est d'un reposant. Je trouve ça tellement con, mais c'est d'un reposant. Non, je peux pas faire ça. Ah, peut-être que je fasse tomber. Ah, ok, d'accord, j'avais pas vu que c'est des petits cartons. Hop là, l'autre, elle continue quand même, vous avez remarqué? Donc ça, c'est la mère, en fait, qui se plaint de son fiston où il est. Pour en aspirer dans le trou. Parce qu'on aspire tout le monde dans les trous, nous, on en a rien à branler. Eh ouais, rien à foutre, les mecs. Hop là. On aspire tout, vous voyez. On a un aspirateur... Ça serait bien un aspirateur comme ça, plus besoin de déchetterie, un gros trou. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on aspire? Encore ça. Ah, voilà. J'allais dire, sinon je peux plus rien aspirer, là. Et vous voyez qu'il s'est déplacé. Alors, c'est un peu dommage parce qu'on le voit juste se déplacer. On le voit pas se... On le voit pas se déplacer. Il se téléporte dedans, en gros. Notre trou est assez grand. Et regardez ce qu'on va faire avec ça. On a récupéré dans le trou le... Je sais pas ce que c'était, le poil ou je sais pas, le barbecue. Ou je sais pas ce que c'était. Et du coup... On fait du feu et bam! Donc on peut pas l'aspirer, mais en tout cas il est parti. Voilà. Et je peux continuer à tout aspirer. Il va falloir que je continue à tout aspirer. Avec mon trou est devenu énorme. Pire que celui qu'une actrice porno. Voilà. Ça rentre? Ouais, ça rentre dans mon trou. Jusqu'à ce qu'on puisse. Bam. Faire tomber la maison. Hop là! La maison avec le trou. Et voyez les gens qui tombent. Belle livraison. Et même la musique, elle fait un peu, je sais pas, rappeur. Vous voyez que là, ici, c'est assez drôle parce qu'on a la Trashopédia. Où on voit tout ce qu'on a balancé. Entrée, vous êtes bien reçu par les coyotes, la grotte. Le café, c'est super, ça brûle, ça fait l'eau de toilette. Protège les vaches. Ne pas laver la barbe à papa, c'est à faux, vous sauverez la vie. Vous voyez qu'on voit tout ce qu'on a récupéré. Four à poterie, un four normal avec de la boue dedans. Ouais, c'est un four à poterie en fait. Une bande pique-nique, etc. On va continuer. On a ça, le passer une sale journée. Je sais pas trop pourquoi. Mais ça me fait marrer. Regardez ici, on a tout le donut Scunty. Tout est là-dedans. Tout est tombé dans le trou. À cause de ce raton laveur avec une application. Mais c'est quoi ce jeu, quoi? Et regardez, même c'est des animaux. Enfin, c'est des... J'ai voulu lui faire une surprise, lui offrir un donut. Sniff. Et voilà, qu'il s'envole. Pup est tout seul. Mais non, si tu es tombé dedans le premier, comment tu sais que Pup est dans le ballon, wesh? Ton histoire est pleine de trous. C'est drôle, ça. Pleine de trous. C'est ton cerveau qui est plein de trous. Ouais, je suis d'accord. Et la ville aussi. Je ne fais que mon travail, wesh. Attendez, pas du tout. Je suis innocent. Je vous jure, monsieur l'agent, je suis innocent. Attends, Pup est dans la montgolfière. J'ai vu passer un ballon au-dessus de Ranger Station. T'as vu Pup? Il est parti par où? Je sais pas, j'ai été distraite. Je venais de commander à Donut. Donut. Super. Le stress, ça me donne faim, lol.
Quel stress. Tu vas pas me croire, des serpents. Et encore une fois, on revient en arrière. Vous voyez qu'on a l'heure, tout. Pareil qu'avant, excusez-moi. Hop, on va avancer. On va aspirer tous les trous. Tous les trous. Moi, j'aspire tous les trous. Enfin, j'aspire tous les trucs dans mon trou. Non, ça tombe, si, ça tombe. Regardez les serpents, hop là. Il aime pas trop les serpents, hein, le mec. Ouais, ça le stresse, il regarde, apparemment, c'est le sort de garde forestier, ou je sais pas, Ranger Station. Le ranger, quoi. Hop là, toi, tu tombes direct dedans. Bon, les serpents peuvent rien nous faire, hein. Hop. Hop. Allez. Et hop. Et on a fini cet endroit. On va continuer et en fait, là vous allez voir ce qui va se passer, c'est qu'en plus d'agrandir le trou, on va devoir faire peur aux petites cocottes. Alors ça c'est dit nulle part, mais au final, vous tâtez, vous comprenez. Alors, en fait là je peux rien faire, vous voyez que je peux rien faire, il va falloir que j'aspire ce serpent. Sauf que, il va ressortir. Et donc vous voyez qu'ici le Snake Danger, le sort de truc anti-serpent, il se met au niveau 1. Allez, on doit faire tourner ça avec la queue du serpent. Hop là. Donc lui, il envoie l'info niveau 2, enfin niveau 3 même, parce qu'il était déjà au niveau 1. On va appuyer plein de fois là-dessus pour que la cocotte, elle est partie. Elle a pas trop aimé, il nous en reste une là-bas. Vous voyez, je peux donner des coups de cocotte. Merde, j'ai pas eu le temps, j'ai donné ça pas exprès, un coup là-bas. Regardez, elle est partie la cocotte. Et là, le machin, il explose. Boum. Et on récupère notre trou normal. Voilà. Apparemment, dans le truc anti-serpent, il y avait plein de serpents. On va faire venir les cocottes et tout. Voilà. Hop. On va tout ramener à l'intérieur. Franchement, j'adore. C'est trop con, mais j'adore, quoi. Le jeu doit être assez court. Alors, si je fais un let's play, il sera aussi forcément assez court, hein. Mais c'est plutôt sympathique. Hop là. Regardez-moi ça, la taille de mon trou, quoi. Hop là, on a tout aspiré. Et voilà. Et de nouveau, belle livraison. Avec la musique qui va bien. Et vous voyez qu'on augmente de rang. Au rang 10, on a le quadcopter. Je suppose que quand on arrivera au rang 10, on reviendra dans le présent. Entre guillemets. À ce moment-là. Et donc, du coup, on avancera dans l'histoire de présent. Là, pour l'instant, on montre comment tout le monde est arrivé là. LOL. Tu devrais plutôt me remercier d'avoir réglé ton souci de serpent. Attends, c'est toi qui as ouvert ces trous? Hein? Non! Je disais que c'est celui qui a fait ça, t'as rendu bien service. C'est sûrement un type sympa, wesh. Quelqu'un d'autre aurait vu Pop? Ouais, moi j'ai vu Pop. Pop! Dans mon télescope. Tu veux me dire mon télescope? C'est ce que j'ai dit, mon télescope. Où est-ce que tu l'as vu? Pepper et moi, on s'est encore pris la tête. Ah là, j'ai bougé à Mint River. Il est amoureux d'un piaf. Eh ouais, un piaf sacrément joli. Ah oui, il est zoophile. J'étais en train de l'admirer et puis j'ai eu un petit creux. Alors j'ai commandé un donut sur l'appli Donut County. C'était une mauvaise idée et le trou est apparu. C'était une très mauvaise idée. Vous voyez, encore une fois, pareil, lit de la rivière. Allez. Il y a des poissons. Je sais pas pourquoi il y a des poissons qui sont... Allez, viens là, toi. Hop. Vous voyez qu'au début, c'est plus tranquille. On va devoir aller chercher ça là-bas. Le petit poisson ici. Non, il est à nous, il est à nous. Voilà, hop là. Il y en a un gros si tu veux. Tiens, le chien. Au revoir le chien. Au revoir le chien. Allez le chien. Au revoir le chien. Ouais, on le voit ici. J'avais pas fait attention. On le voit ici en haut à gauche, utiliser l'application. J'ai jamais fait attention en fait. Ah, je peux pas aspirer parce qu'il y a de l'eau. Petite nouveauté. Pourquoi il y a de l'eau? Ah, il y a les objets qui flottent apparemment. Bah ça flotte pas, tu vas me dire. Si, ça flotte ça. Ok. Alors, faut qu'on... C'est pas évident là. Alors, à cause de l'eau. Là, parce qu'en fait, je me suis arrêté ici. Allez, on va essayer de. Ah, c'est pas évident. Ah, ça y est. On a plus d'eau. En fait, je pense que l'oiseau il boit l'eau. Non, je sais pas en fait. C'est bizarre. Ah, là, je peux aspirer l'eau. Ah, je peux lui amener l'eau. D'accord. Excellent! Ah, donc il a vraiment très soif, cet oiseau. Ah, il faut vraiment même enlever l'eau avec le...
Et pourquoi elle tombe pas? Enfin, je veux dire, c'est la matière physique, hein, comme le... Pourquoi ça tombe pas dans le tronc? Là, je comprends pas trop. Ah, y'en a qui comprennent pas. Pourquoi l'eau elle tombe pas? Allez, on lui ramène toute l'eau. Oh là! Vous voyez que le machin il a fait un sacré. Oh ah! Il a failli croiser l'oiseau. Écraser l'oiseau. Vous voyez que l'oiseau peut pas l'aspirer, apparemment, pour l'instant en tout cas. Ah voilà, là on peut, ça y est. Fallait attendre d'avoir tout. Enlever toute l'eau, je pense. Belle livraison. Avec la musique, j'adore. Ah, on peut cliquer. On peut retourner voir le Trashopédia, la toilette personnelle, la caravane, voilà. Passer une sale journée. C'est excellent. Allez, on va encore faire un petit, puis on va s'arrêter là. Wow, t'es en train de me dire que t'es amoureux d'un oiseau? Ouais, c'est légal. Burger King, ça n'a rien à voir avec l'oiseau. Ça a carrément à voir avec l'oiseau. Mira, c'est carrément l'oiseau, wesh. Laisse tomber. Hein, c'est quoi ça? C'est ça. Laisse tomber dans le trou. Coyote, je croyais que t'étais parti dans le désert. J'y étais. Big Burger King doit pas supporter les gars au fond du trou. Ah, c'est drôle. Coyote, c'était toi le premier gérant du Nut County, hein? Ouais, mais j'ai dû fermer boutique quand les raccoons ont débarqué en ville. Je leur ai vendu l'affaire et je suis parti dans le désert. Oh non, désolé Coyote. C'est comme ça, la vie du Coyote, c'est comme une chanson de country. J'ai vivoté en vendant des légumes. Quoi? Alors un Coyote qui vend des légumes? Ok, je veux pas savoir pourquoi. C'était ma façon de me racheter. Alors hop, on va dépouiller le trou. Et on va virer ce petit Coyote de là. Puis on va s'arrêter là. Il se pose des questions déjà, vous voyez que... Hop, hop, hop. On peut pas, non. Après peut-être. Hop, on fait tomber ça pour récupérer les légumes. Vous voyez qu'il vend vraiment des légumes ce con. Par contre c'est chaud là. Ah, je peux peut-être aspirer le feu. Ouais. Ok, c'est quoi qui se passe? C'est les... Pourquoi, qu'est-ce qu'il sort? Ah, c'est du popcorn. Ah bah oui, c'est logique, on a aspiré le... Excellent. Oui, forcément. On a aspiré le maïs, plus de la chaleur, popcorn. Logique. Hop, tu vas rentrer, toi. Hop là. Je suis à peu près sûr qu'il était pas là. Voilà, il s'est déplacé. Bon, sauf que tu es déplacé, mais... Ah. Hop, on va aspirer le panneau, après. J'espère. Non. Ah, on peut aspirer... Oh. Ah non, on peut pas aspirer le panneau, dommage. Ah, on a fait encore une livraison. On peut cliquer dessus. Wesh, 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 wesh. Allez, on est presque à la moitié du rang 9 à 10. Vous savez quoi, on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Si ça vous a plu, on partira sur la let's play. Si ça vous ne plaît pas, bah ça restera une vidéo de découverte. Donc elle sera classée en let's play en attendant. Histoire que si quelqu'un cherche un let's play, il continue. Et sinon, je la changerai en découverte après. Voilà, parfait. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Surtout, 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 abonnez-vous avec la cloche. Eh oui, la cloche. Ding, ding, ding. Faudrait que je m'achète une petite cloche. Vous savez que je puisse le faire à côté, là. Ding, 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 ding. Je vais m'acheter ça sur AliExpress. Vous savez quoi? Je vais m'acheter une petite cloche. Et je vous remercie encore une fois de l'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel let's play, une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.